Déjà, qu'est-ce que les éditeurs ils disent quoi? Zombie tout genre. Zombie non recherché. Bah déjà je l'ai pas alors. Non, médiéval je l'ai pas non plus. Course tout genre. 7 sur la N64, non merci. Ah, vie tout genre. Avec un score de 5. Mais sur la 64, donc. Non, je vais développer sur une console morte, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la merde. Faut pas faire ça. Plus, je peux m'auto-suffire. Je vais pas faire de suite, donc. Par contre, pour intégrer mes nouveaux conneries, il faut que je fasse un moteur en fait. Parce que sinon, j'ai pas le 3D V2, j'ai pas tout ça. Ah, il faut que je fasse le nouveau moteur, c'est obligé. Avec des cinématiques et tout ça, du multi, de la progression de personnages, l'IA améliorée, le monde ouvert, cirque le jour nu. Putain, mais j'ai un milliard de trucs. Bon, il va me coûter les yeux de la tête, mais il va être ouf ce moteur. Comment on va l'appeler? Le moteur. Mais casse-toi. Va dans la case. Bon, il veut pas aller dans la case. Comment je vais l'appeler ce coup-ci? Pour le différencier des autres, parce que t'as le moteur de ouf et le moteur goldé, du coup après je sais plus lequel est le plus récent. Je vais l'appeler. Comment ils appelaient leur moteur, ces cons? Le moteur de la vie. Ouais. On peut faire ça. Le moteur de la vie. Mais comment je vais me rappeler que c'est le plus récent? Je sais pas, mais. En mettant un numéro, peut-être, ouais, effectivement, ce serait peut-être une idée. Non, le moteur de la vie, c'est vrai que ça. Ça me parle. Vu qu'il a quasiment tout. Allez, on crée ça. Le moteur de la vie. 600 000 boules dans un moteur. Là, je crois que ça fait des points de recherche, non? Ouais, ça c'est bon, ça. Ça a quand même un intérêt. Ça fait un petit bonus sympathique pour le suivant. Patron, un petit groupe de fans a demandé à ce qu'on leur laisse les sources de notre ancien moteur, le moteur Goldé. Si on le faisait, les fans seraient heureux et on travaillerait dur sur ce moteur. Mais on a travaillé dur sur ce moteur. On pourrait aussi leur vendre la licence et se faire de l'argent. Sinon, on peut simplement refuser entièrement leur demande. Moi, je leur donne, je suis un ouf. Moi, je donne tout, tiens. Allez, tiens, tiens mon vieux moteur moisi. Maintenant, je suis tellement. Patron, notre décision de donner notre moteur, le moteur Goldé, a été incroyablement accueilli par nos fans. Nous avons obtenu 13 000 fans et ça n'a coûté que 3 000 $. Il semble que les jeux de type casual soient particulièrement demandés actuellement. Ah, petit jeu casu. Nouvelle recherche disponible, gros jeu et multijoue. Ah bah voilà, mais oui, mais ça arrive maintenant quoi, que je fais un moteur. C'est pas grave. Alors multijoue, ça devient intéressant. Moteur à 500K investissé, plus 500K dans un nouveau moteur. Un nouveau moteur, le moteur de la vie est terminé. Ah ouais, multijoueur, c'est intéressant parce que c'est là qu'on peut faire des actions RPG au lieu que des justes RPG tout court. Ou d'autres délires du genre, quoi. Ça y est. C'est qui est fatigué là? C'est toi? Va te coucher. Ah, et lui, il est tout rouge. Oh. Ils sont muertes, les gars. Avant de faire un jeu, il faut. Faut que tu sois bien, faut que tu sois en forme. En forme de quoi? Je sais pas. 41 points donc. Gros jeu. Ah bah gros jeu. Multigenre, c'est quand même 80 points de recherche. Hein.
Ça plaisante plus là. Mais un gros jeu, quoi que les gros jeux, est-ce que c'est tout de suite? Où est-ce que j'attends? Y a quoi dans les thèmes? Le mec il change d'avis toutes les 2 secondes et demie. Zombie. Ouais, c'était ça, zombie, c'est bien aussi, zombie. Hein. Petit zombie. Ouais. Oh, un jeu de danse? J'ai pas fait mon jeu de danse. Un jeu, vu que c'est casu qui est popu en ce moment, un petit jeu de danse casu. Un petit DDR des familles. Ce serait pas mal ça. Dans 2 mois, la Master V sera retirée du marché. Tu m'étonnes. Bon bah. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah, le temps que l'autre il se réveille. Il finit ses congés. Je peux pas lancer un jeu sans mon designer principal. Merci. On va faire un peu de points de recherche en attendant. Bon boulot, merci. Et tous les travails de merde, hein, c'est juste pour les points de recherche. Fais les faciles d'abord. Bonnie a annoncé aujourd'hui le successeur très attendu, la célèbre PlaySystem. La PlaySystem 2 sera dotée d'un matériel mis à jour pour rivaliser avec les consoles de la nouvelle génération telles que la Dreamcast. T'as déjà la PS2 déjà annoncée. Contrairement à la Dreamcast, la PlaySystem 2 n'est pas spécialement orientée vers le jeu en ligne, mais semble miser sur les points forts de la PlaySystem. Une robuste manette vibrante, de meilleurs graphismes, la lecture des DVD et même la rétrocompatibilité avec les jeux PlaySystem 1. Bon, ça y est, lui il est là, on va faire notre jeu de danse, hein, casu, avant que ce soit plus à la mode. Voilà, allez, casse-toi. Développer un nouveau jeu. Bon, ça va être un jeu moyen. Ça va être... Danse. Danse. Révolution. De Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Danse, danse, révolution de Jean-Luc Mélenchon. C'est tout public. C'est de la danse. C'est casu. C'est sur la PlayStation 1. Ah putain, la Dreamcast, elle a plus de parts de marché, mais bon, elle a claqué encore 250 000 avec... Ah, le moteur de la vie. Alors ouais, ça se met de haut en bas, hein, les... donc celui d'en haut, c'est le dernier. Bien sûr, le moteur de la vie. C'est parti. Ouais, mais moi, je mets les graphismes de ouf, bien sûr. Je viens de claquer mon RSA pour faire un moteur, c'est pas pour le... Mais je m'en fous, la Master V n'est plus produite, tu m'étonnes. Vous avez sorti un jeu sur cette plateforme et gagné un total de 400 000 boules. Très bien. Marquait-on ce dance de Mélenchon? Bah, attends, il a à donf avec les réseaux sociaux, lui. Hein. Faut pas croire. Hein. Allez, un petit tweet. Un petit tweet sponso. Petit tweet sponsor.
Donc, Dance Revolution. Alors, histoire linéaire, des cinématiques quand même, on met des cinématiques. Non, mais pas d'histoire, on s'en fout. Des cinématiques simples, une sauvegarde, bah oui, ah mais pas multi, c'est obligé, hein. Un didacticiel pour comprendre, meilleure utilisation, hein. Expérience utilisateur, oui. Progression des persos, non, il n'y a pas besoin d'XP dans ce jeu, c'est la progression, c'est quand tu danses mieux, hein. C'est la vraie progression de la vie. Meilleur champ, il y a des stands, bah oui, bah, je ferai le stand, hein, pour le jeu. Alors, histoire quête, on s'en fout complètement. Le gameplay, à fond. Le moteur, il me suggère que c'est de la merde. On s'en fout. Bah écoute, on va l'écouter, on va tout mettre dans le gameplay, hein. Un gameplay de malade mental. Alors, gameplay, je sais jamais, hein. Est-ce que le gameplay, c'est du design ou de la tech? Faudrait que je triche pour savoir. Moi, je serais d'avis que c'est du. Je sais pas, j'ai pas d'avis en fait. J'ai pas trop d'avis sur la question. Donc, vu que ça on s'en fout, on met les. Ouais, c'est ça, on met les gars qui s'en foutent. Design, tu dis? Allez, on met Joshua alors. Berti. Donc marketing numéro 2, petite campagne. Depuis sa sortie, la Dreamcast de Vena était l'une des consoles qui s'est le plus vite vendue de l'histoire. Mais il semblerait que l'anticipation de la sortie prochaine de la PlayStation 2 en ralentisse les ventes. Si la putain, je vais dire la PlayStation. La PlayStation 2 parvient à maintenir cette médiatisation jusqu'à sa sortie, alors Vena ne pourra se retrouver en grosse difficulté. Alors, dialogue amélioré, oui. Éditeur de niveau, oui. IA amélioré, ouais, IA amélioré, oui. Dialogue, donc c'est. Ouais, design. Putain, mais il va se tuer à la tâche avec le design. Design du niveau. Moi, je dirais que l'IA, c'est important, c'est le gars qui danse avec toi. L'IA, c'est moi qui vais le faire. Non. C'est elle? Ouais, t'es, c'est elle. L'IA de quoi? Bah. Du truc qui danse avec toi là, du machin qui fait. Non? Bah alors c'est que du design alors. Mais alors là il va mourir. Faut que je m'y mette moi. Ouais, on fait ça, allez. On met tout en design. Peu d'IA, peu de dialogue. Allez. On part là-dessus. Allez, engouement, marketing. La grosse artillerie, hein, 2 millions. On claque tout. Mikornoff, le mastodonte des logiciels PC, a annoncé aujourd'hui son entrée sur le marché des consoles de jeu avec sa propre console baptisée la M-Box. Qu'est-ce qu'elle est moche. Les premières démos ont été impressionnantes, mais nous allons devoir attendre pour voir son positionnement tarifaire face à la célèbre Dreamvast, ainsi qu'à la très attendue PlayStation 2. La nouvelle console est attendue dans les mois à venir. Le design, c'est des danseurs filmés sur mon verre. Ben oui, mais bon, faut bien mettre des points quelque part. Aujourd'hui, Vony a sorti la PlaySystem 2, sa nouvelle plateforme de jeu. Oui, mais le mien, il est en 3D, c'est pas du film. Alors, son stéréo, c'est le plus important. Monde ouvert, cirque le jour-nuit, non. Bon, bah, le son.
à donf le son. Et on baisse tout ça. Voilà, Joshua au graphisme, nanani, c'est bon. Trevor, nanani. Ah non, Fatal, il est meilleur s'il se fatigue pas. Voilà, Fatal est meilleur dans les stades, donc c'est plus intéressant. Son stéréo, nanana, je pense que je suis pas mal là. Ah non, graphique. Faut que je mette plus en graphisme en fait. Fait chier, il se... Voilà, 99. Bon, alors je baisse un peu le son. Voilà. Non, merde. 94, 176. Bah moi j'aurais mis plus de graphisme hein, perso, mais je sais pas, j'ai pas de retour sur ce qui est bien, donc on va tenter ça, allez, on tente ça, on s'en fout. Faut bien tenter hein, pour avoir de l'XP et savoir ce qu'il faut faire. Putain, il y a 1 milliard de bugs sur ce jeu. Le lancement de la Play System 2 a été un succès phénoménal. La production peine tellement à satisfaire la demande que le détaillant sont partout en rupture de stock. Certains passionnés en sont venus à débourser jusqu'à 5 fois son prix pour acheter la console sur des sites d'enchères sur Internet. Alors que Vonnie vient de réussir le meilleur lancement de l'histoire, les ventes de la Dreamcast de Vena se sont effondrées. Ah, va falloir passer sur PS2, on dirait. Hein. Microsoft vient d'annoncer un retard pour leur nouvelle console du jeu M-Box. Sa nouvelle date de sortie est dans le courant de l'année. La rumeur court que l'incroyable succès du lancement de la PlayStation System 2 a poussé Micornov à décaler leur propre entrée sur le marché. Ouais, c'est ça y est. It's a new record. Nouveau thème, nouveau combo, bon management. Moi j'ai plein d'XP. Allez, c'est vrai qu'il faut que je progresse en plus en graphisme, hein, 3DV2. Je crois que c'est. Je sais pas quoi, je sais pas jusqu'où ça monte. Bon, il y en a un qui va me demander une augmentation là vite fait. Oui, merci, ok. Tiens ton augmentation. Tiens ta thune. 50 000 boules. Formation spéciale disponible. Oui, mais il n'a pas assez. Nouvelle recherche, Easter Egg. Ah, ça c'est cool. Du coup, faire un rapport, oui. Les premières critiques pour Dance Dance Révolution de JLM, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Ah, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Magnifique. Un bon jeu. Assez dur hein, de faire des jeux du genre, j'adore. Et Gameblog, il dit j'en veux encore. Bon bah très bien. C'était pas fou, c'était pas foufou. J'espère que ça va se vendre assez pour... pour faire du bénéfice quand même. Chercher 101 multigenre, gros jeu, dialogue arbo. Tu trouves que c'est un bon score? Ouais. Ah, c'est vrai que j'ai fait 8e hein, des ventes hein, quand même avec avec ça. Ouais, je dirais. Ouais, allez, multigenre.
Ça, je pourrais choisir. Ah, bah, je vais le présenter à l'E3, mais évidemment, je vais claquer mon RSA.